Vous comprenez pourquoi, mesdames et messieurs, la présence de M. Parker parmi nous est aujourd'hui un moment exceptionnel. En effet, je veux croire que c'est la fraternité qui a rapproché les peuples libres et que c'est ainsi que des millions d'hommes et de femmes libres se sont aidés dans la douleur de la guerre comme dans l'effort de la reconstruction. C'est grâce à cette fraternité, au-delà des convictions politiques, que la France a pu renaître. Le 4 septembre, un terrible accident touche nos libérateurs. En effet, le major Walton est tué en sautant sur une mine alors qu'il effectuait une mission en direction du Havre. L'inhumation se déroule le 6 septembre au cimetière communal du Val-au-Clair. Nous fêtons donc aujourd'hui la libération de notre ville du joug nazi par les troupes britanniques. C'était le 2 septembre 1944, il y a 70 ans. C'est donc avec beaucoup d'émotion et avec une grande humilité que j'ai le plaisir de vous accueillir, Mr. Parker. Pardon. Vous qui avez participé à la libération, vous qui apparteniez au 47e Royal Marine Commando, votre présence nous honore tous. Merci du fond du cœur et merci également aux personnes qui vous accompagnent, Monsieur et Madame Heywood et Monsieur Sartorel. Le 31 août 1944, vers 3h du matin, les derniers soldats allemands quittèrent la ville après 5 années terribles pour les Fécampois. Ils laissèrent derrière eux une ville en ruine et une population meurtrie. Certes, la guerre faisait encore ravage sur d'autres fronts, mais pour Fécamp, ce 2 septembre 1944 est un jour inscrit à jamais dans les archives de la ville. C'est le jour où les Alliés sont arrivés pour libérer Fécamp et marquer ainsi la fin d'une bien trop longue période noire. Les troupes britanniques du 47e Royal Marine Commando, la troupe X, commandée par le major Walton et le lieutenant Armstrong, étaient accueillies par une foule, vous l'imaginez, en liesse. Je ne vais pas reprendre ici devant vous ce soir toute l'histoire de cette période. Une très belle exposition est organisée par les services du patrimoine jusqu'au 28 septembre. Je vous invite d'ailleurs à vous déplacer à la Maison du Patrimoine et dans le hall de l'Hôtel de Ville afin de la découvrir. Thank you.
le major Walton, repose toujours dans le carré militaire britannique de Fécamp, au milieu de ses frères d'armes tombés au champ d'honneur depuis 1914.